Jean-Luc Cruc, quelle est votre analyse des résultats électoraux en Hainaut occidental? Bon, par rapport à la situation politique sur le Hainaut occidental, il est incontestable qu'ici comme ailleurs, il y a un gagnant écolo. Peut-être un peu moins ici qu'ailleurs, mais il reste gagnant. Appelons les choses comme elles le sont. On voit deux perdants dans le Hainaut occidental, le Parti socialiste, qui en plus de perdre quelques pourcents, perd un siège dans le fief, ou en tout cas dans la région du ministre-président, et le CDH, qui hormis Moucron, où il se maintient, perd également sur l'ensemble du Hainaut occidental et sûrement sur Hatte et Tournai. Et puis il y a nous, le mouvement réformateur, qui gagnons, moins que les écolos, c'est 1%, mais nous sommes dans un train montant par rapport à 2004. Objectivement parlant, il faut dire aussi que nous sommes en dessous par rapport à 2007, mais c'est le cas aussi partout. Les élections servent quand même à ça, à comparer des chiffres entre deux élections identiques, les élections de 2004 et de 2009.